Après avoir été victime d'un hypothétique AVC, difficile d'imaginer Geneviève au sommet de sa forme. L'ex-patronne de Miss France semblait être condamnée au silence, une hypothèse balayée par une longue interview accordée à France Dimanche. J'ai l'impression que tout le monde n'en a plus que pour Sylvie Tellier. Plaisante-t-elle. Bientôt nonagénaire, Geneviève de Fontenay n'a pas perdu de sa verve, même si elle confesse avoir parfois le bourdon. Qu'est-ce ce qui la met donc en rogne? La dame au chapeau met les choses au clair, je n'ai pas fait d'AVC, et tous mes organes principaux sont en très bon état. Jusqu'à présent, je n'ai même eu de grosses opérations. Je touche du bois. Qui peut bien raconter de telles bêtises? Bien sûr, elle pourrait se plaindre de son arthrose au genou, mais ça n'est pas son genre. Geneviève de Fontenay est une force de la nature. Qui prend néanmoins ses précautions si elle n'est vaccinée ni contre le Covid-19 ni contre la grippe, elle évite d'attraper plein de micros chez elle en demandant aux rares personnes qui viennent, là, voire de bien porter le masque. Le ras-le-bol de Geneviève de Fontenay qui peut bien entamer le moral d'acier de Geneviève de Fontenay? Le président de la République, voyons. Je n'aille qu'une hâte, si y est-il que Macron s'en aille, confesse-t-elle. Aujourd'hui, la France est un vrai foutoir. Geneviève a-t-elle eu le courage de tenir ses propos face à Emmanuel Macron? On a effectivement échangé quelques messages durant 3 ans. Je ne manquais jamais l'occasion de lui redire tout ce que je pensais de sa politique, et il me répondait à chaque fois très chaleureusement. Mais aujourd'hui, la coupe est pleine, depuis 2 ans, je ne le supporte plus du tout. On le voit partout, même là où il ne devrait pas être, comme aux obsèques de Jean-Paul Belmondo. À l'approche des élections présidentielles, Geneviève de Fontenay se prend à rêver de voir une femme à la tête de la France. À quelle candidate va-t-elle donner sa préférence? La dame au chapeau ne le sait pas encore. Loading widget.